toutes étoiles en l'air, il va clair, le sommet zodinité, nous sang il va couler dans la terre, on fait pousser la liberté, nous étoiles en où connaît ça où saute, où connaît ça où ça va. L'histoire de la Réunion a commencé bien avant la colonisation et l'esclavage. Le 10 novembre 1663, un bateau accoste sur l'île Bourbon, avec à son bord 12 personnes. Deux Français et 10 Malgaches, parmi eux Jean Mousse et Marie Caz. Ils accompagnent Louis Payen et sont les premiers colons libres de Bourbon. 5 ans plus tard, le 10 avril 1668, le jeune couple malgache met au monde Anne Mousse, à la Tour des Roches à Saint-Paul. C'est la première réunionnaise à naître sur l'île. La petite famille part s'installer à Sainte-Marie. Anne Mousse a 19 ans lorsqu'elle épouse Noël Tessier, 53 ans. Un colon français originaire de Bretagne de 34 ans son aîné. À cette époque, il brave l'ordonnance interdisant le mariage interethnique. En se mariant à un homme blanc, elle a fait preuve d'un certain courage. C'est sous le regard réprobateur de la bourgeoisie de Sainte-Marie que le couple débute leur union. Entre 1688 et 1701, Anne Mousse donne naissance à 8 enfants, 6 filles et 2 garçons. Elle a été la première fille, femme et mère de famille née dans l'île Bourbon. La famille Caz, dont Anne Mousse, a marqué le début du métissage et le peuplement de l'île. Installée dans la grande propriété familiale de son époux à Sainte-Marie, Anne, devenue Madame Tessier, mène une vie aisée. Elle est désormais une notable. Anne perd son mari à 33 ans. C'est à l'âge de 54 ans qu'elle épouse en seconde noces Dominique Ferrer, qui a 20 ans de moins qu'elle. À son époque, Anne Mousse a joué un rôle très important. Elle a combattu avec détermination les gouvernants. Elle a fait don de ses terres pour créer la paroisse de Sainte-Marie et édifier une église, un cimetière et une maison curiale. La paroisse deviendra commune en août 1790. La grand-mère des Réunionnais meurt le 19 mars 1733 à Sainte-Marie, à l'âge de 65 ans. Elle laisse 65 petits-enfants. Après sa mort, ses enfants unis respecteront à la lettre son souhait. Ses fils et ses gendres continueront de construire Sainte-Marie. Sa famille se compose de Docotte, Maillot, Damour, Cronier et Bègue. L'histoire de la Réunion commence. On dit que sa dépouille reposerait dans l'église de Sainte-Marie, enfouie sous les restaurations successives. Anne Mousse, guide et visionnaire, a su attirer la considération de tous. Elle restera un exemple pour toutes les femmes réunionnaises qui continuent de combattre aujourd'hui. Grâce à l'histoire de nos ancêtres malgaches, nous pouvons désormais avancer avec confiance vers l'avenir. Nos étoiles en l'air,